Les amis, bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui ensemble pour un 19e épisode du mode expert de Breath of the Wild. Dans l'épisode précédent, on avait terminé donc Varuta. On avait battu le boss et on avait fait le donjon Vamedo aussi par la même occasion. Et on s'était quitté à Vanaboris parce qu'on est revenu pour battre le boss qui me fait très peur, c'est celui que j'appréhende le plus. On va aller le faire maintenant. Donc je me suis. J'ai récupéré en off là juste avant des fées. J'en ai combien des fées? Des fées, j'en ai 4. Plus Mifa qui me régénère ma vie, ça fait 5. Sachant qu'avec Mifa, je peux prendre 2 coups. Et si jamais j'ai encore ce plat, donc qui me régénère mes cœurs, plus me donne 6 cœurs jaunes. Voilà. Mais c'est temporaire. Hein. De toute façon. Ouais, non, c'est bon, on va aller voir ça. Mais disons que ce boss, j'en garde un très mauvais souvenir. Voilà. J'en garde un très mauvais souvenir, c'est plutôt. J'en avais bien chié. On va voir ce que ça va donner. Alors celui-là, je me rappelle parfaitement comment faut faire parce que j'en avais tellement chié, j'avais tellement passé de temps que. Faut esquiver quoi, c'est tout. Ombre de foudre de Ganon. Mon Dieu. Ne sous-estime pas cette chose. C'est un monstre créé par Ganon pour nous combattre. Il y a 100 ans, je n'ai même pas eu le temps de le frapper. Il m'a éliminé en un instant. Mais ça ne t'arrivera pas. Pas à toi. Tu sortiras victorieux de ce combat. Je le sais. Alors, déjà, on va Allez, aller en bas. Fais attention. Ne la laisse pas te surprendre. Ouais, d'accord. Alors déjà, tu vois, ce con-là, il se fout derrière moi. J'ai rien le temps de faire. Juste à temps. Merde. Catastrophe. Ah, puis il a récupéré toute sa vie, ce con là. Mais vas-y! Purée! Ouh! Cette merde! Deuxième phase, alors. Là, c'est clair.
si tu ne veux pas connaître le même sort que moi. Punaise. Ça me plaît pas trop. Putain. Je me suis fait éclater. Éclater littéralement. Allez, rapide, fais attention. Ne la laisse pas te surprendre. Bien, continue comme ça. Je te protégerai. C'est chaud, hein. Purée. C'est très très chaud. Regarde à ces éclairs si tu ne veux pas connaître le même sort que moi. Mais attends, mais ah zut, c'est là-bas. Il se régénère, ça me saoule ça. Ouais, ben c'est pas gagné. C'est pas gagné. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut que je l'empêche qu'il récupère trop de vie.
Ça, c'est agaçant. Elle est rapide, fais attention. Ne la laisse pas te surprendre. Je te protégerai. Allez! C'est pas vrai. Ah merde! Ça me gonfle. Purée. J'ai plus de fées là, non? Il doit pas m'en rester beaucoup. Ah, surtout que c'est la seconde phase la plus chiante, quoi, la plus dure. Encore la première, normalement ça va, c'est censé aller. Je devrais pas perdre autant de vie. Clair, si tu ne veux pas connaître le même sort que moi. Purée. Je suis deg. Ah mais je vous y ai dit hein, ça c'est pas voilà, ça promet hein. Elle est rapide, fais attention, ne la laisse pas te surprendre. Oh.
Ah fuck! Je te protégerai. Putain de ta race là! Vas-y, regarde-le, voilà! Pas vrai ça! Bah dis donc! Je crois que j'ai perdu deux fées plus une femme! Il me reste trois fées! Trois ou quatre fées, je sais plus. Alors là. T'es enculé là, putain de ta race, hein. Je m'y attendais pas, je voyais encore quand même pas mal de vie, mais bon. Parce que il y a eu un temps de réaction. Enfin, un temps de silence avant la réaction. Pas. Avant que je comprenne qu'il soit bien mort, quoi. Tu vois. Chiant effet. Oh. Alors, on a dit que on prenait pas parce que ça fait un défi en même temps. Merde. Mal du tout. Non seulement tu as libéré mon âme, mais grâce à toi, Naboris est à nouveau sous notre contrôle. Ce qui veut dire que je vais enfin pouvoir terminer ma mission. Autrement dit, t'aider à accomplir la tienne. Je n'attends qu'une chose, c'est ta confrontation avec Ganon au château d'Hyrule.
Avec ma créature divine de notre côté, ce monstre va passer un sale quart d'heure, tu peux me croire. Ah, au fait, j'ai quelque chose pour toi. Je remets mon pouvoir, la colère d'Urbosa, entre tes mains. Crois-moi, tu vas en avoir besoin. Je sais que vous avez souffert, la princesse et toi, de ce qui nous est arrivé. Mais on n'y pouvait rien, c'est comme ça. Et ce n'était pas votre faute. Alors, dis-lui bien ça, s'il te plaît. Dis-lui d'arrêter de se faire du mal. Et dis-lui aussi qu'elle a de quoi être fière. Prends bien soin d'elle pour moi. Oh, et puis, Dirul aussi, tant tu y es. Naboru, sage parmi les Gerudo, acclamé par la légende. Ton nom est un hommage à sa mémoire, fière créature. Tu appartiens à notre peuple, toi aussi. La grande, la puissante Naboris. Cette chose nous a vaincus bien trop facilement il y a 100 ans. Mais cette fois, elle ne s'en tirera pas à si bon compte. Ganon le fléau. Si l'on en croit ce qu'on raconte, il est né de notre peuple, lui aussi. Voilà pourquoi nous allons l'affronter de toutes nos forces, toi et moi. Il le faut, pour l'honneur de la tribu Gerudo. Attends seulement que je le tienne à ma merci. Dès que Link aura engagé le combat, on va lui mettre une raclée qui compte dans la vie d'un démon. Il va en faire une tête. Je vois ça d'ici. OK. Récupère la colère d'Urbosa. Alors maintenant, ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir un peu
Varudania. Pendant un peu de temps. Alors là, par contre, faut que je me change. Ça sera mieux. Par contre, en armes, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais commencer avec ça et je verrai bien. Et en arc. En arc. Merde. En arc. Je vais prendre. Ça avec la glace. Voilà. Et. Et là, il me semble qu'il parlait des bombes aussi. Allez, c'est parti. On va tester. Là, c'est l'ombre de feu de Ganon, il me semble. Cette bestiole. J'ai peut-être pas réussi à lui faire sa fête il y a 100 ans, mais avec toi, ça va pas être la même. Vas-y, refais-lui le portrait, petit gars. Alors, bah ouais, par contre. Alors, je vais essayer de tirer déjà des flèches de. De glace. Donc, comme ça, monstre de feu. Quoi? Merde, oh oh, c'est te branler. Je sais pas si c'est vraiment, mais il n'y a pas un moyen de passer directement là-haut. Ah bah si, là, non? Bah ouais.
Je me suis fait chier à faire le tour tout à l'heure. Garde un œil sur son épée. Commence à comprendre un peu le pattern. Moitié. Ok. Et après maintenant c'est avec les bombes. Donc là logiquement c'est un peu plus facile j'ai envie de dire. Par contre, attends. Je vais juste contrôler combien il me reste de fées. Il m'en reste une. Ok. Alors, attends. Voilà. Voilà, et là. Dommage. J'aurais dû le lâcher avant. À la flèche et c'est bon. Yes! Bah voilà! Tu as été facile, vraiment. J'en avais pas un mauvais souvenir celui-là. Je crois que c'est le plus simple. Des quatre. Il nous en restera plus qu'un à faire, mais on le fera la prochaine fois. Hein. De toute façon.
Bien joué, Tigre. Tu es vraiment un champion. Tu as libéré mon âme, je t'en dois une. Merci à toi. Je suis vraiment désolé. Je me suis fait ratatiner par cette satanée vermine en laissant Hyrule sans défense. À cause de moi, t'en as vu de toutes les couleurs, Tiga. Oublions ça. Le petit Rodania a finalement retrouvé ses esprits. On va pouvoir reprendre le boulot là où on l'avait laissé. Cette fois, pas question d'échouer. Maintenant, je me charge de l'amener à sa place et de tout préparer pour tirer sur Ganon. Comme ça, quand tu seras prêt à l'affronter au château, on sera là pour le feu d'artifice. Ah, j'allais oublier. Mon pouvoir spécial. Il est plus que temps que je te confie mon bouclier. Je suis plus qu'un fantôme inutile maintenant. Alors il risque plus trop de me servir. Il est à toi! Et n'oublie pas, je marche à tes côtés. Dorénavant, je serai toujours là pour te protéger, c'est promis. Allez, va, petit gars. La princesse compte sur toi. Comme Ganon, dès que l'occasion se présente. Tout ce qu'on a à faire, c'est attendre le petit gars. Dès qu'il engage le combat contre ce satané Ganon, toi, Rodania, tu lâches la sauce. Alors voilà ce qu'est devenu Hyrule. Je suis vraiment pas déçu. Le village a l'air d'être prospère, lui aussi. Quant à mes Gorons, je me demande comment ils s'en sont sortis. J'espère seulement que tout le monde va bien. Ah, y a pas à dire. Je suis vraiment pas déçu. Oh.
bon. Bah voilà déjà une bonne nouvelle. Alors attends, ce que je vais faire... Voilà. Hop, comme ça, ça se régénère. On va laisser le temps de se régénérer. De toute façon, on va s'arrêter là pour cet épisode, les amis. Attends. Ah, faut rendre les quêtes. Ah oui, oui, attends, faut rendre la quête. J'ai oublié ça. Ça c'est beau ça. 62 dégâts en plus. Ça c'est magnifique. Alors là j'ai les deux armes du prodige. Alors attends. Mais du coup j'ai oublié d'aller récupérer celle de... La cité Gerudo du coup. Cette tenue là parce que quand même escalade, on va mettre un peu de Zora et puis non voilà. On va mettre la tenue complète. Non, elles vont pas vouloir me laisser rentrer. Ouais, mais si je veux ça, elle va, ouais. Elle va m'envoyer faire une quête, alors c'est pas la peine. Bouclier des 7 joyaux. Cimetière des 7 joyaux. Donc. Pour le moment, ça, ça ira bien. Je
vais équiper ce truc là. Je vais voir à la boutique tant que je suis dans le coin là. Est-ce qu'il y a une boutique qui vend des flèches? Oui. Le problème c'est que j'ai plus de thunes. Y'a pas quelqu'un qui peut me reprendre mes trucs là? Bon ben voilà, alors ben écoutez, ben on va s'arrêter là, et puis la prochaine fois, on essaiera de faire le dernier boss, puis tant qu'à faire, aussi faire 2-3 sanctuaires pour continuer à améliorer un petit peu la jauge d'endurance. Donc bah les amis, moi j'espère que ça vous a plu, hein, comme d'hab, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, et moi je vous dis à la prochaine, ciao ciao.